Bon, ok, on est bon, normalement ça y est. Hop. Bon, écoutez, bonsoir à tous, on se retrouve pour la suite, comme prévu, de Plague Tale Requiem. Alors, où on en était? On était au chapitre 4. Et on venait de trouver l'espèce de. Espèce de médecin là, un peu chelou pour Hugo là. Et là du coup on devait se rendre dans un port je crois. Trouver un bateau, je crois que c'est ça. Alors je vous avoue j'hésitais à stream parce que il y a le showcase Silent Hill à 23h, je crois. Ou 22h, je sais plus. Bon, je me suis dit, bon, allez, quand même, on va quand même continuer. On regardera ça après. Salut Samy! Comment ça va, Samy? Non. Je sais que c'est dur, mais c'est nécessaire. Ça fait 2 jours! Comment peux-tu rester là, les bras croisés? Il ne mérite pas ça. Je vais le sortir de là. Amicia, un porteur qui atteint le dernier seuil, c'est une situation exceptionnelle. Et très grave aussi. Bien entendu, il va falloir l'isoler dès que possible. L'ordre possède un endroit spécial. Vous voulez enfermer Hugo? Sais-tu de quoi ton frère est vraiment capable? Ça ne va faire qu'empirer. Mais enfin, c'est un enfant! Ce n'est pas de sa faute! Et plus vous le faites souffrir, plus les rats se répandent, et plus ils sèment la mort. C'est pour cela que nous devons l'emmener. Son pouvoir grandira à mesure que sa vie s'approchera de la fin. Magister, je vous en prie, qu'est-ce qu'il veut dire? Amicia, Hugo est condamné. Le porteur ne pourra pas... Ah oui, Hugo est condamné. Non. Non, il y a forcément un moyen. Lucas a réussi à... Ton camarade a seulement gagné du temps quand ton frère a atteint le premier seuil. Mais cette fois, c'est différent. Rien ne peut plus l'arrêter. Aucun élixir, aucune potion. Attendez, il y a une île. Il parle tout le temps d'une île. Elle est peut-être liée à la macula. On doit... C'est le fruit de son imagination. Et qu'est-ce que le fruit de son imagination fait accroché au mur de votre laboratoire? Hein? Qu'y a-t-il là-bas? Pauvre enfant. Tu refuses de voir la vérité en face. Accepte le destin de ton petit frère et le tien. La protectrice a pour seul rôle de faire ce que l'ordre lui commande. Je m'en fiche pas mal de votre ordre. Je ne vous connais pas et je ne travaille pas pour vous. Laissez-moi le voir. Hugo est épuisé, Amicia. Tu ne peux pas aller le voir dans ton état. Laissez-moi passer. Pas avant de t'être calmé. Tu l'as dit toi-même, la macula se nourrit de ses émotions. Ah! Quant à nous, nous devons nous rendre au quartier de l'ordre à Marseille et ce dès que possible. J'ai un bateau et un passeur, Joseph. Il nous attend au port, il faut le prévenir. Quant à moi, j'ai besoin de repos. Venez me voir quand tout sera prêt. Lucas, s'il te plaît, va au port et trouve ce Joseph. Oui, magistrat. Amicia. Viens avec moi. On avait déjà vu la cinématique hier, mais bon, je l'ai quand même laissé. Donc ouais, apparemment, lui, il nous prend pour la protectrice de Lord. Pourquoi? Ça, on sait pas trop. Hein. Et donc ouais, Hugo, bah, apparemment, il est condamné, hein, dans tous les cas. Tu étais au courant pour Hugo? Je voulais t'en parler, mais... Tu aurais dû. On parle de mon frère, Lucas. Je ne pensais pas que le magistère Vaudin te l'annoncerait comme ça. Oh, Seigneur, je peux pas... Oh, continuons. D'accord. Oh, attends, elle est descendue bizarrement les escaliers là. Comment elle descendait là? Bizarre la descente de l'escalier là. Ah, du coup, faut trouver Joseph. Parce qu'on va se rendre à Marseille là. Le comte
en état d'urgence. Tout un peut-être croiser l'ancêtre de Jules. Ça y est, ils vont boucler la ville tout entière. Souviens-toi du quartier en quarantaine. Ils n'oseraient pas purger la ville entière, si? Je ne sais pas. On a besoin de ce bateau, et vite. Les chevaliers organisés. Ah, pas mal ça. Regarde, cette tour de quai au fond, elle mène au port. Préparez-vous à partir. On va amener le chargement jusqu'au quai. Les quais. C'est là qu'on va, c'est ça? Ces cages sur leur chariot. Je crois que ce sont des corps de la reine. Alors c'est là qu'ils les amènent. Ah bon, tue plus de soldats, c'est pas toi qui décide. Hein. Mais du coup, là si on n'aurait pas tué autant de soldats, on aurait eu ce dialogue ou pas, ou... En tous les cas, il nous aurait dit ça. Mais si j'ai envie de tuer des soldats, je vais les tuer, je vais pas me gêner. Hein. Faut pas, hein, c'est... Je veux bien y aller en infiltration, mais bon, faut que le gameplay... Ça donne envie de la jouer en infiltration aussi. Hein. Y a des trucs à choper là? Non. Tu voulais que je demande au magistère Vaudin à propos de l'île, la fresque dans ses appartements. Il a dit quoi? Il a dit que ce n'était qu'un symbole. Un symbole au pic jumeau, exactement comme dans les rêves d'Hugo. Je sais. L'île, le réveil de la Macula, l'ordre, c'est trop tout ça. Contente de te l'entendre dire. Ça m'aide à ne pas me sentir seule dans tout ça. Tu ne l'es pas. Je suis là. Je suis désolé, Amicia. Pour Hugo. Il n'est pas encore mort. Très bien. N'oublie pas, on épargne les soldats. On reste en vie. D'accord. Pas tuer, ne pas se faire repérer. Allez, trouvons ce bateau. Bon, ben on va le s'attenter. Où est notre bateau? Infiltration. Juste là. Il est toujours là. Bien. Son capitaine aussi, j'espère. En effet. Ça, c'est un beau port, ça. En fait, ouais, c'est comme je disais, c'est pas forcément une claque graphique, tu vois, mais... Mais je sais pas, en fait, c'est la DA qui rend le jeu super beau, quoi. Il y a vraiment un gros taf, je trouve, sur ce côté-là. Un bateau? Non. Pas sauter dans l'eau non plus, j'imagine.
Tu as toujours ces petits indices. Parce qu'en vrai, franchement, ça, même pas besoin de les mettre, ça, en vrai. Hein, c'est... Je pense que tu devines quand même que c'est pas là qu'il faut aller. Hein. Par contre, ça, je sais pas si on peut les désactiver. Ça. La ville a besoin de ces jarres intactes, alors calmez-vous. Assez jacassé, soldat. Allez, allez. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il s'aggrave encore les choses, je dirais. On devrait juste partir d'ici. Il paraît que la Guyenne n'était plus qu'un vaste cimetière quand c'est arrivé. Oui, et vous subirez bientôt le même sort, vous aussi. Ah oui, j'ai pas vu. Des soldats casqués. Il va falloir se faufiler. J'espère que cette porte a un accès dérobé. Qu'y a-t-il derrière, tu penses? On le saura bien assez tôt. Tu crois qu'ils vont y arriver cette fois? Je crois rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que les cadavres affluent de la ville et qu'on en a déjà trop dans nos rangs. J'aurais dû aller voir ma mère tant que je le pouvais. Prie. On n'a plus que ça. C'est bien peu. D'où est-ce qu'il vient, ce foutu bruit? C'était rien. J'ai cru entendre un bruit. Il me voit, lui. C'était sûrement rien. Oh non, 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 non. Il se passe quelque chose. Oh putain. Reste hors de vue. Des intrus. Oh merde. Nous sommes repérés. Aïe 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 aïe. Ah bah là pas le choix là. Ah oui, par ici. Oui.
Ah, au final, on s'en fout là, du coup, on a tué un mec. Il a pas l'air trop contrarié, Lucas, là. Merde. Oh, c'est pas vrai. Je pense savoir ce qui s'est passé ici. Et il répète les mêmes erreurs. Fais quelque chose, monsieur. Oh non. Ils arrivent. Poussez. S'ils ne se calment pas, je crois que c'est trop tard. Ils sont là. Ne va pas plus loin, Amicia. Essaye d'y mettre le feu. Oui, oui, essayons. Je ne m'y attendais pas, et eux non plus. Attention avec ces flammes. Ce bras zéro, on peut le déplacer. Oui. Espérons que ça se passe mieux à Marseille. Jusqu'à ce que les rats l'envahissent aussi. Amicia, l'ordre possède des quartiers adaptés à Marseille. Des équipements et des gens. Des gens comme Vaudin? Et tu crois que ça va se finir comment? Si on reste ici, on meurt de toute façon. Ah merde, il y avait un établi là. Merde. Putain, c'est con ça. Ah, fait chier. À moins qu'il y ait un couteau pas trop loin ici là. Ah bah ouais, mais si on n'avait pas si on n'avait pas utilisé le couteau contre le gars là. Bon, ça devrait le faire quand même, j'imagine, hein. Qu'on en trouve un pas trop loin là. Ça peut être possible. Ça n'ira pas plus loin. Le bateau de Joseph. On se rapproche. Ce bâtiment sur la gauche paraît plus sûr. Ah, rien à foutre. Ah putain, ah si. Là. Essayons par là. Oh. Quelle pagaille. Oh, cette odeur. De la poix. Ça fait tourner la tête. C'est fermé, je n'entends pas de rats ici. Non, mais ils étaient là. Regarde ça.
C'est quoi tout ça? Une fabrique de poids. Ils doivent l'utiliser pour étancher les coques des bateaux. Ces mécanismes sont encore intacts. L'odeur est différente ici. De la résine. C'est un bassin de mélange. Le tonneau là-haut, ça doit être le diluant. On devrait avancer. Oh non! Ils nous poursuivent! Pas de panique! On a de la résine. Avec le diluant là-haut, on pourra faire de la poids. Un bassin de poids. Ça pourrait nous permettre d'atteindre cette porte dans le fond. Mais le tonneau est vraiment haut. On doit trouver un moyen de l'atteindre. Voyons voir. Ces cordes font bouger la plateforme. Les ouvriers doivent utiliser cette échelle derrière la grille pour l'atteindre. Il faut trouver un moyen d'y aller. Bien joué. Voilà qu'on fabrique de la poix. Je sais. Mais ça devrait être rapide. Bon, allons-y. Bon, est-ce que je m'occupe de la partie réservoir? Tu en penses quoi? Oui, monte par l'échelle. Oui. Je me charge de faire bouger la plateforme. Tourne-la à fond. J'y vais. Bien. Tiens bon jusqu'à mon signal. D'accord. Je suis prêt. Je lâche. Accroche-toi. Wow. Reviens au bassin. Moi, jeter un œil. J'arrive. Le diluant. Je vois. C'est de l'alcool, bien sûr. Tu es prêt? Je peux pas sauter là, oh là là. Oui, fabriquons ça de quoi? En verre. Tu connais les quantités? Non. J'improvise. S'il te plaît, évite de nous tuer. Bien. Je pense que tu peux l'enflammer. D'accord. Voyons si cette poix est efficace. Oh, ça marche. Oui. Bon, première étape franchie. Oui, mais je suis coincée. Attends. Je crois qu'il faisait les expériences avec les ingrédients ici. Oui, ça peut marcher. Je te les envoie. Ces bêtes sont tout prêts. Ici, préviens-moi quand tu es prête à attraper. Vas-y. Tu as de la résine et de l'alcool. Je peux désormais fabriquer de la poire, une armée pour le menu sélection. C'est fait. Parfait. Maintenant, lance un pot de poire entre ces C'est deux parti. Bassins. Pourvu que ça marche. Voyons si cette poix est efficace. Parfait. Oui. Ce dernier bassin est déjà rempli de poix. J'arrive. Sauver la mise. La poix t'a sauvé. Ça fait des miracles. En tout cas, merci. Il n'y a pas de quoi. Alors un autre là-haut là. Putain, ça fait chier, j'aurais bien aimé récupérer un couteau là. Faites que ce soit utile. Notre bateau devrait être droit devant. Ne sois pas trop optimiste. Écoute, Amicia. Pour Hugo, j'étais coincé entre le magistère Vaudin et ta mère et... Et je n'ai aucune excuse. J'ai eu tort. C'est juste que... J'étais pas prête. Je peux pas le perdre. Je peux pas. On fera ce qu'il faut. Oui.
par ici. C'est une fois que t'es rentré dans un truc, genre une un petit passage comme ça, ou alors une porte. Dès que tu fais une action avec Y, tu peux plus revenir en arrière, quoi. C'est trop tard. Hein. Là, si je veux retourner là, laisse tomber, quoi. C'est pareil, là, les portes comme ça, une fois que je la passe, c'est fini. Voilà, je peux plus jamais revenir en arrière. À moins que... Ah, par contre, celle-là, elle l'a pas verrouillée, celle-là. Okay. Oui, allons-y. Ah, ils sont là. C'est infesté en bas. Attends, regarde. C'est de la résine en bas. Et là, un tonneau de diluant. Ils fabriquaient encore de la poids ici. Utilisons-la pour dégager le chemin jusqu'au bateau. Oui. Fabriquons encore de la poids. Quelle journée. Alors, voyons à quoi tu sers, toi. Ça contrôle la passerelle. Il faut amener ce tonneau ici. J'étais parti ranger, ça donne quoi le jeu? Bah... Comme j'ai dit hier, quand j'ai fini le... On fait que passer. Eh bien, impossible. Je suis coincé ici depuis un bail avec Sera. Faut que je sorte d'ici. On a une idée. Avez-vous accès à cette passerelle? Oui, mais je vais avoir besoin de votre aide. Ils ont relevé le pont. Je peux m'en charger. Comme j'ai dit hier, quand j'ai arrêté le stream... Pour l'instant, ce qui marche le mieux là, c'est la DA. Elle est grave jolie, quoi. Ça donne vraiment. Enfin, le jeu, il a vraiment un charme grâce à ça. C'est le plus gros point fort du jeu pour l'instant. Il y a une bonne ambiance aussi. J'aime bien. Les musiques, elles sont sympas. Ça accompagne bien l'ambiance. Mais après, le reste, enfin, c'est quand même un jeu. T'as l'impression que c'est un jeu du passé, quoi, quand même. Hein. Niveau gameplay, mécanique, t'as l'impression que c'est un jeu qui a 20 ans de retard, quoi. Après c'est, voilà, enfin l'histoire, je suis pas emballé pour l'instant, je suis pas vraiment emballé par l'histoire pour l'instant, donc bon, mais ça se laisse suivre tranquille, ça va. Mais pour l'instant, c'est pas un grand jeu, quoi. Et puis voilà, je pense pas. Enfin, de toute façon, je pense qu'on aura sûrement des nouvelles, peut-être des nouveaux objets, des nouvelles armes et tout. Mais après, fondamentalement, ça va pas changer. Enfin, le game design, il est comme il est depuis le début. Ça changera pas jusqu'à la fin, je pense. Hein. Mais du coup, c'est dommage parce que ça fait vraiment jeu du passé, quoi. Ça fait jeu figé, quoi. Et je trouve que voilà, putain, enfin, je veux bien que ça soit un double A, c'est pas un triple A, c'est pas un gros budget et tout, tu vois, mais enfin voilà, c'est quand même la suite du premier jeu, ils ont eu plus de budget quand même, il y a des trucs, enfin quand même, enfin, voilà quoi, déjà le 30 FPS alors que c'est un jeu full next gen, alors enfin sur les versions PS5, Series X, vu que c'est que du 4K, bon, c'est chiant, mais à la limite, pourquoi pas. Mais moi, par exemple, je suis sur Series S. Enfin, c'est du 1080p, quoi, la résolution. Donc, tu vois, du 60 FPS, ça aurait été bien, tu vois. Et puis voilà, je sais pas, techniquement, c'est... Quand je dis que c'est figé, c'est surtout au niveau des décors, tu vois, parce qu'il y a vraiment pas beaucoup d'interactions avec les décors, enfin, quasiment pas, en fait, tu vois. Tout est posé comme ça, il y a pas d'interaction, il y a rien, c'est... Et puis tu vois, par exemple, les visages, ils ont pas de... Il y a pas d'expression, quoi, tu vois, les visages, ils ont aucune expression. Quand ils parlent, les personnages, c'est à peine si tu vois la bouche bouger. Donc voilà, quand même, il y a des trucs...
Qu'est-ce que je voulais faire là? Ça. Ça. Mais ouais, sinon, voilà. C'est surtout. Moi, ce que j'aime le plus pour l'instant, c'est surtout la DA. Quoi. Parce que graphiquement, comme j'ai dit au début, là, c'est pas une claque, hein, graphiquement. Mais c'est la DA qui rend vraiment le jeu joli, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire, quoi, là? J'ai pas compris, là. Ça, je peux même pas utiliser, je sais pas pourquoi. Pas descendre là, putain. Enfin, après il y a des rats quoi, mais ah putain, j'ai pas vu ça, ok. Bon sang, je m'attendais pas à ça. Un instant. Il a l'air raisonnable. Voilà, et les doublages aussi, putain. J'ai mis en français parce que c'est un jeu français qui se passe en France, tu vois, mais putain, les doublages. Il n'a pas encore fait le rapprochement. Ça fait peur des fois, hein. Dis quoi, on est en plein milieu d'un confinement? Attends, ça va. Celui-là.
Bah oui, bah alors je lève le truc là, qu'est-ce qu'il y a? Attends, là, il allait trop loin. Viens, tu peux lâcher. Immédiatement. Voilà, c'est fait. À le bleu, Alicia. Lucas, tu peux avancer. La voie est libre. D'accord. J'utilise un pot là. Oh merde, non. C'est pas grave. Oh non, t'es sérieux là? C'est quoi ce checkpoint là? Oh là là. Oh. On se rapproche. Oui, allons-y. Oh, ils sont là. C'est infesté en bas. Attends, regarde. C'est de la résine en bas. Et là, un tonneau de diluant. C'est quoi ce checkpoint là? Utilisons-la pour dégager le chemin jusqu'au bateau. Hey, fabriquons encore de la poix. Quelle journée. J'ai l'impression qu'on peut faire que de l'infiltration. Bah moi je trouve j'ai l'impression que plus du contraire moi. Moi je trouve que l'infiltration c'est pas trop ça fonctionne pas si bien que ça. Hein. Bah en vrai contre les mecs casqués c'est chiant, bah tu peux pas les tuer en fait les mecs casqués. Les mecs tu peux les étourdir, mais tu peux pas les tuer. Tu les étourdis et t'es obligé de courir pour trouver la sortie. Après sinon les mecs qui ont pas de casque. Les mecs qui ont pas de casque, bah tu prends ta fronde et t'essayes de te mettre un peu loin et tu les one shot avec ton caillou là. Mais après les mecs avec des casques, ouais, ça c'est chiant ça. Parce que ça soit en furtif ou en. Ou en corps à corps, bah tu peux pas les tuer en fait. À part si t'as le poignard. Tu leur fais une attaque au corps à corps et tu peux. Utiliser un poignard. Mais après, des poignards, t'en as pas tout le temps quoi. Donc voilà, en fait, c'est esquive. Hein, c'est esquive. Dès que tu triggers des mecs casqués, t'es obligé de courir. Tu cours jusqu'à la sortie. Comme j'ai fait tout à l'heure là. C'est très archaïque quand même, hein. les combats, enfin même tout le gameplay, hein, c'est vraiment, comme je disais, t'as l'impression d'être 20 ans en arrière, quoi. Et j'ai pas l'impression que c'est, qu'il y a eu beaucoup de différence avec le premier, quoi. Le premier c'était déjà comme ça, hein. Donc je trouve ça un peu quand même vachement dommage. Et même là ce qu'on fait tu vois genre là c'est bon c'est vraiment pas intéressant quoi tu vois là on tourne des leviers, des manivelles, bon voilà quoi. Arrête maintenant. Tout de suite.
Ah merde, putain, je suis allé trop loin là. Allez. Là, faut appuyer une fois, rappuyer pour tourner le truc. Toi, t'en es où dans le jeu, toi, tu... Et voilà. Il y a encore un bateau qui bloque le passage. Ah, t'es allé plus loin que moi ou t'es encore en arrière là? 2 heures à peu près. Ah ouais, t'as joué juste hier quoi, t'as pas rejoué depuis. T'as fait le début un peu et puis... Et du coup toi les 2 heures là ça t'a donné envie de continuer ou tu penses que tu continueras pas? Tu entres en scène Lucas. Bien. Joli travail d'équipe. Vous vous débrouillez bien pour des civils. On a souvent dû ne compter que sur nous-mêmes. Ouais c'est ça hein. C'est ça. Après bon ça se joue quand même hein, c'est pas horrible non plus hein. C'est jouable, tu vois, ça se joue bien, tu vois, mais c'est juste que c'est des mécaniques de gameplay de l'époque où se passe le jeu quoi, tu vois, en 1320 quoi. Genre ça se joue bien quoi, tu vois, c'est pas non plus voilà, c'est... Lucas, tu peux avancer. La voie est libre. Mais c'est sûr que voilà, c'est pas c'est pas MGS5. C'est pas The Last of Us 2. Bah alors du coup, comment ça se passe là? Faut que je l'aide aussi à passer là. Amicia, je suis bloqué. Non, la lumière n'éclaire pas assez loin. Il y a forcément un moyen. Oui, jeter de la poix directement dans le feu. Ça va amplifier les flammes pour un temps. C'est... Oh. Eh bien, oui, ça peut marcher. Bien, tentons le coup. Ah, mes yeux. Mes yeux. Ah ouais. Ah, faut le refaire là ou... Attends, est-ce qu'il peut passer même en dessous là? Je crois pas qu'il peut passer là. Bah il peut pas passer. Ah faut peut-être que... Attends. Si je fais ça... Il n'y a même pas les airs pour les dons. Il n'y a pas les alertes pour les dons. Alors déjà le mec il arrive, il dit même pas bonjour, il fait des dons direct quoi. Comment ça c'est pas activé là les trucs là?
pas les dons là, mais c'est pas possible là, mais il y a des problèmes. Bien sûr que si qu'il y a les alertes là, qu'est-ce qu'il me fait là? Par contre, il n'y a pas le son des alertes, c'est bizarre ça. Ah si, il y a le son des alertes, oui, ok, parce que j'ai pas le... J'ai le casque, bon, en fait j'ai le casque branché sur la télé, parce que j'ai plus d'écouteurs en fait. Ou alors il y a eu un don. Enfin il y a eu l'alerte mais j'ai pas entendu, ça c'est possible. C'est très possible ça. En tout cas merci Nick pour les 5 euros, ça fait plaisir. Attends, je vais la remettre. 150. Hop. Exorbitant. Et voilà. Non mais je pense en fait elle est passée mais j'ai pas j'ai vu que j'ai pas les écouteurs branchés au PC, j'ai pas entendu. Enfin, je peux brancher hein, mais c'est juste que le truc c'est que j'ai plus que un côté qui marche. Non, faut que je trouve déjà le... Je sais même pas c'est quel côté qui marche, le droit, la droite ou la gauche. Mais c'est vrai ça, parce que ça me fait penser que bah, je devrais quand même brancher un truc au PC, parce que s'il y a des follow, des trucs comme ça, bah, je vais pas entendre en fait. Ah, c'est mieux comme ça. Alors du coup... 150, ça vous va? Non, 300. Exorbitant. Vendu. Attends, mais il a refait un don, mais qu'est-ce qui se passe? Il veut pas garder son argent, là. Attends, mais c'est le jour de paye ou quoi? Là, on est que le 19, là, qui est... Comment ça se fait, là? Qu'est-ce que je dois faire? Non, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est sûr. Ah non mais il faut l'aider en fait le mec là-haut là. Attends mais je comprends pas, il est bloqué ou quoi là? Je peux pas utiliser ça. Ah mais si tu sais, non mais tu sais ce qu'on peut faire avec 5 euros? Est-ce que tu sais ce qu'on peut faire avec 5 euros là? On peut faire plein de choses avec 5 euros. En plus là du coup faut pas que je te refuse un service parce qu'un jour tu vas me dire ouais mais tu te rappelles hein, quand je t'ai fait des dons tout ça. 150 ça vous va? Non, 300. Exorbitant. Vendu. Donne ça à la fille. Mbappé. C'est quoi encore ça? Mbappé. Aïe. Ah j'ai rigolé trop fort là. Mbappé. Mbappé, en plus c'est bien précis en plus hein. 6,66€.
Ah bah merci, merci Kylian. L'argent du foot. Attends, mais qu'est-ce qu'on doit faire là? Je comprends pas. Ça m'a perturbé tout ça là. Lui il veut qu'on l'aide, mais on l'aide comment? Je veux bien t'aider, mais... Tubbs qui fait un don de 1€. Oh putain. Attention ça, parce que ça peut aller très loin, ces genres de blagues là. Et on salue Dubs au passage. Dubs, Timothée Maxime. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Je comprends rien là. On doit faire un truc, je sais pas ce qu'il faut faire là. Avec ton maillot du Barça, ben mon maillot du Barça de quelle année? De 2016. Alors que je suis même pas fan du Barça. Mais bon, on me l'a donné comme ça, voilà, j'accepte. Hein. C'est toujours ça, un petit maillot de foot. C'est un plaisir. Footix, ah. En plus, j'avoue, je préfère le Real. Je préfère le Real au Barça. Mais ah, mais c'est vrai, hein. Mais allez l'OM dans tous les cas. Je vais le déchirer comme Hulk Hogan. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Je comprends rien là. Faut que je me concentre là. Mais faut faire quoi avec lui là? Je comprends pas, il est buggy ou quoi là? Et là, ça manivelle dans la main, mais bon, déjà, moi je peux même pas les utiliser. Qu'est-ce qu'on fait? Faut que je relance un truc là-dedans ou quoi là? Attends. Vous faites quoi des dons? Bon, pour l'instant, on sait pas. Hein. Sûrement pour des jeux, je pense. Sûrement pour des prochains jeux qui sortent ou... Après non, on n'a pas encore d'association caritative. Peut-être un jour, hein, ça serait bien. Des skins Fortnite. Ah bah alors là, mais... Jamais de la vie, je mets 1€ dans un skin Fortnite. Hein. Melté Samy, il y a peut-être moyen qu'il utilise ça pour des packs FIFA. Ça je dis pas. Ah, je suis bloqué. Enfin, je suis bloqué. Non, mais je sais juste pas ce qu'il faut faire là. Le mec, il veut qu'on l'aide, mais on l'aide où? On l'aide comment? Je sais pas moi.
Ah c'est vrai, Samy, il prend juste des points FIFA au début quand le jeu il sort. Et après c'est tout. Il achète... Il rachète pas de points FIFA. Après. Bon, peut-être ici. Il veut qu'on fasse quoi là? Je comprends pas là. Ah mais voilà. Non mais oh là. On a perdu 20 minutes pour ça. Comment il court là? Alors toi, on va te péter un coup de, on va te péter un caillou dans la gueule, toi. Ah, tu vas pas échapper à celui-là. Bon alors toi alors, attends, regarde bien ce que je vais te faire toi. Attendez, dans les faubourgs, nos hommes ont été attaqués par une fille et un garçon. C'est vous ! Vous vous êtes évadé ! Amicia ! Allez hop. Mais quoi ? Mais attends, mais genre je l'ai pas eu là. Faites vos prières ! L'aveuglé avec la poix, attends, hop, hop, hop. Ah non merde, pas ceux-là. Oh putain. Inutile de fuir. Non. On est repéré. Vous pouvez pas vous lâcher. Seigneur. 100 gigas. Mais je ne croirai aucun d'eux. Oui. Ne tuez pas le gars sur les docks. Oh, ok. Ah bah voilà un établi. Ah bah putain, bien. Enfin. Alors on va pouvoir quand même améliorer un peu. Qu'est-ce qu'on a en deuxième là? Ça améliore la munition alchimique qui lui permet de tuer ses ennemis en lançant une jarre associée à un ignifer. Ça peut porter des ressources alchimiques supplémentaires. Ajoute une deuxième poche. Alors, on va faire ça. C'est bien mieux. Et... Ah, j'ai pas assez encore. Oh là là. Pas grave. Ah, y'a pas un truc à prendre, non. Voyons un peu ce bateau. C'est une affaire de santé publique. Tu aurais dû partir quand tu le pouvais, Joseph. Je dois attendre un client et j'honore toujours mes contrats, mon ami. Estime que ton contrat est annulé alors. Le port est condamné et tu es un intrus. C'est notre homme. Ouais, mais les ennuis arrivent. Ne restons pas là. D'accord, tu sais quoi? J'ai pas que ça à faire. Non, tu en sais beaucoup trop. Je dois t'arrêter. Oh, sans blague. Oh, tiens. Oh, le coup de tête. Joseph, attendez. Ne bougez pas. Nous venons de la part de Magister Vaudin. Nous devons quitter la ville. Vous croyez que je fais quoi, là? Cet endroit est foutu. Pitié, on est coincé ici. Et nous avons un enfant avec nous. D'accord, d'accord. On se retrouve au prochain ponton. Qui êtes-vous? Où est le capitaine? Merde! Des intrus! Venez, vite! Oui, allez! C'est passé. Bah, il est. Oui. Il est simple à dissuader, lui, hein. Il dit on a un enfant avec vous, et vous êtes des enfants déjà. Et... Ah, bien joué ça. Joseph a cassé une jarre de bois. Ça a réagi au contact de la torche. C'est le moyen le plus rapide. Lucas, ça devient trop dangereux. On va se faire tuer ou manquer ce bateau. Il faut que j'utilise de nouveaux patrons. Oui. Fais ce qu'il faut. On a besoin de ce bateau à tout prix.
Oh mais genre. Ah bah ça va lui Non mais genre oh là là mais non il y avait de la lumière là oh. Mais là, je me fais pas attaquer là. N'étaient même pas malades. La bête vide les quartiers. C'est un massacre. Potentiellement, ils sont tous atteints. On peut pas risquer de laisser quelqu'un sortir. Tu le sais. C'est pour ça qu'ils ont condamné la ville. Oui, piéger les gens à l'intérieur, puis se débarrasser. C'est une tactique de guerre. Une fois qu'on aura vu Joseph, je crois qu'il y a quelqu'un. Par ici. Par ici. Il y a un coffre là, j'aimerais bien l'ouvrir là. C'est quoi ça? Je sais où vous allez maintenant. Si vous voyez que... Il vient ici. On a la visite. Allons tuer ce salaud. J'y vais. On a déjà un truc. Aïe 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 aïe. Putain.
Ah, les mecs au casque, mais putain, c'est tellement chiant, sérieux, là. C'est juste qu'on peut pas les tuer, quoi, c'est dingue, ça. Putain. Je trouve ça complètement dingue qu'on puisse pas les tuer, les mecs avec les casques. Là, genre, je peux juste leur faire ça, quoi. Je peux même pas les retaper ou. Putain. Aïe 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 aïe. Bah c'est compliqué hein. Putain mais franchement le fait de pas avoir d'attaque furtive. Genre c'est, je trouve ça complètement con quand même hein. En fait tu peux les taper avec ta fronde mais tu peux pas les tuer. Le seul moyen de les tuer c'est avec un couteau mais bon enfin des couteaux t'en ramasses pas Putain non. Oh là là. Mais, allez monte là. Puis ouais, mais je peux même pas aller. Et puis, enfin, même s'ils ont un casque, pourquoi on peut pas leur faire enlever leur casque, quoi, tu vois. Tu leur mets un coup de. Un truc qui nécessiterait deux coups de fronde. Tu leur mets un premier coup dans le casque pour le faire tomber et un deuxième pour les buter après, quoi. Casque encore lui. Je jure que je retrouverai le meurtrier. Ah mais je peux rien faire, hein. Je peux vraiment les mecs au casque, je peux rien faire. Puis il y avait un coffre là-bas, putain, j'ai envie de l'ouvrir. Je vois où tu t'en tires. On pourrait acheter un œil. Chier. Cette nuit, avec un grand sac. C'est risqué, mais on en reparlera plus tard. D'accord. Attends. Toi déjà. Si seulement le comte avait été là, il aurait. Comment il fait lui pour pas se faire attaquer là? Ah merde, je vais pas faire ça, non. Oh putain. Oh. Oh.
ça. Quand t'as des ennemis avec des casques, voilà, faut courir, voilà, faut courir, y'a que ça à faire. Mais quoi? Mais... Putain, mais il y avait de la lumière là, c'est quoi ce bordel là, putain? Mais regarde, lui là, lui, il n'y a aucune lumière autour de lui. Il se fait pas attaquer. Il aurait pris les bonnes décisions. On aurait pu lui demander une audience. Alors, faut pas déconner, il n'est pas dans la lumière le PNJ là. Genre là, il est dans la lumière là. Là, il est éclairé là. C'est trop tard de toute façon. L'épicentre est ici. Alors quoi? Là, si j'éteins ça là. C'était eux, c'est sûr. Genre, mais. On se cache? Je vais passer. Se cache, imbécile. Maintenant, je sais où vous vous cachez. Oh non. Mieux vaut ratisser ailleurs. On est découvert. Quoi? Les intrus sont là. Qu'est-ce qui se passe là? Je crois que c'est fini pour toi. Ils sont là. Arrêtez-les. Ils nous ont détectés. Oh là 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 là. Putain. Faudrait que je les amène. Des intrus, venez avec moi. Dans un endroit où il n'y a pas de rats, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça là? Mais attends, il y a des soucis là. Je vais tenter un truc.
Oh là 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 là, il y a des soucis les gars, il y a des soucis. Genre il m'a vu, mais il m'a vu comment? Mais c'est un truc de dingue là. Capacité agressive débloquée. Conscient de son environnement, Amicia peut pousser les ennemis dans le feu ou des rats dans ses attaques en mêlée, les tuant instantanément. Ok, pas mal ça. Allez, faisons vite. Je peux améliorer des trucs. Là. Je peux rien améliorer. Il est là. Bordel, j'ai cru que vous ne viendriez jamais. Venez. Merci de nous avoir attendus. Et pour le coup de main. Vous aussi, vous m'avez aidé. Bon, où est le reste du groupe? En ville, ils préparent le voyage. Je dois... Hugo! Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais les chercher. Retrouvez-nous au quai, près de la maison. Sois prudente. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'a réveillé. Non, la maison. C'est mauvais signe, je vous le dis. Respectez le couvre-feu, rentrez chez vous. Que se passe-t-il? On doit savoir. Dites la vérité. Non. Ah, tu sens que ça les inspire quand même le Covid, hein. Ouh là là. Il y a un problème de... Ah merde, merde. Ah bah en fait... Je pensais que je pouvais passer sur la gauche, mais apparemment non. C'était un drap en fait.
C'est pas mal la destruction des décors là. J'ai fait un cauchemar. Je sais. Qu'est-ce qui se passe? Il faut partir, avant que toute la maison ne s'effondre. Oui, Lucas doit nous attendre sur le quai. Venez. Amicia, je devrais le porter. Je m'en charge. C'est sympa, hein. Elle a dû c'est la première grosse mise en scène depuis le début, là. C'est... Sympa, c'est sympa. Elle descend vite les escaliers. Ouais, t'as vu ça. Bah, au tout début du stream, je me suis fait cette réflexion. Hein. Bah attends, mais... Elle descend vite les escaliers. Qu'est-ce qui se passe? J'ai la tête qui tourne. Rien. Rendors-toi. Oula, par contre elle bizarre aussi. Hein. Non, sympa là. On se croirait dans Tomb Raider, quoi. Dans le début, là, de Shadow of... machin. Là. Shadow of Tomb Raider. Quelque chose sur le bateau, ça te calmera. Mais je veux que ça s'arrête pour de bon. Je suis désolée. Je veux que ça s'arrête, Amicia. Bientôt, à Marseille, nous trouverons de l'aide. C'est pas vrai. Tu dis toujours ça, mais tu mens. Tu mens. Hugo, s'il te plaît, calme-toi. Tu as le droit d'être triste et en colère, mais je ne t'abandonnerai pas. Tu le sais. On trouvera un moyen. Je te le promets. Vous allez bien? J'ai cru que vous étiez... On est tous sains et saufs, Lucas. Montez à bord, vite! Il n'y a que nous. Magister Vaudin... Je vois. Dans ce cas, traînons pas. Thank you.
dans notre sillage. Il paraît qu'il s'est passé la même chose en Guyenne. Les rats. La morsure qui empoisonne le sang. Ça semblait pourtant si loin. Oiseau, reviens. Hé, tu faisais un rêve. On est arrivé ? Non, mais c'est plus très loin. Hé! Hey. Ne regarde pas. Pourquoi? Ça les fera pas partir. Ça changera rien. Hugo, tu étais en pleine crise. Je veux pas aller à Marseille. D'autres gens vont mourir, tu le sais. Mère, pense que tu... Non! Sur l'île! C'est là que je dois aller. Là-bas, on pourra me soigner, Amicia. On va la trouver, s'il te plaît. Personne m'écoute. J'ai dit à maman que j'avais mal, mais le magistère m'a dit de me taire, que ça faisait partie de l'examen. Maman et le magistère, ils croient tout savoir, mais ils ont tort, et les gens meurent à cause de moi. Hé, je sais, je ferai ce qui est le mieux pour toi, c'est promis. Lucas, va voir le capitaine avec Hugo. Bien sûr. Il va te montrer comment tenir la barre. Je vais lui demander de nous apprendre à faire des nœuds marins. Et peut-être qu'il nous laissera naviguer ? Oui. Nous devons le mettre en lieu sûr, Amicia. Vous voulez l'enfermer à nouveau? Ça n'est pas la même chose. Tu as vu ce qui s'est passé? L'ordre a des hommes et du matériel. Ils sauront comment l'aider. Tout ça est arrivé à cause de ce que vous et Vaudin avez fait à Hugo. Mère, si vous continuez de l'isoler et de lui infliger ces tortures, ça va le tuer. C'est un enfant, c'est une victime comme toutes les autres. C'est mon enfant. Je ne suis pas ton ennemi, Amicia. Je sais à quel point tu aimes Hugo, et je sais que je ne peux pas vraiment comprendre le lien qui vous unit tous les deux. Mais tu dois ouvrir les yeux. Ce qui est arrivé là-bas se reproduira. C'est vrai. Vous ne pouvez pas comprendre. Oh, les débris! Ils nous bloquent le passage! J'avais jeté un œil. Je pense voir le problème. On va le régler tous les deux. D'accord, gamin. Je vous laisse vous en charger. Hé, hey, tu peux retourner à l'intérieur si tu veux. Non, tout va bien. Je ne te laisserai pas tomber, je te l'ai dit. Pour l'instant, on doit faire avancer ce bateau. Et c'est loin d'être fait. Oui, vas-y. Merci. Ah, c'est dommage quand même que ça manque d'expression sur les visages quand même. Hein. C'est un peu dommage. Du coup, la daronne a dit elle comprend pas le lien. Bah attends, on est frères et sœurs. Est-ce que t'as pas compris encore là. En plus, c'est notre mère. N'importe quoi, elle. Regarde, il y a un tas de débris coincés sous la coque. On les retire ? Ça prendrait trop de temps. Et si on le poussait, simplement ? Eh bien, on peut essayer. Prêt ? Oui. Alors, pousse ! Vous allez devoir nous rattraper ! Quoi ? Amicia !
Genre, on peut sauter là. C'est quoi ces conneries? N'importe quoi. Ah là là, ça c'est des prétextes hein, pour nous faire passer par d'autres endroits. Hein. Il ne méritait pas ça. C'est une tragédie. Je n'aurais jamais pensé. C'est trop tard. Mais cette île, Hugo dit que ça va tout arranger. Alors ce sera le cas. Comment? La question c'est où. Il faut qu'on la trouve. Et votre mère? Ça m'est égal. Mais toi tu vas devoir choisir ton camp. C'est ma magistrat. Essayons par ici. C'est calme. Oh, c'est quoi ça? Pas de panique. C'est juste un cerf qui brame, je pense. Oh, Seigneur. J'avais oublié qu'ils existaient. La saison des amours doit déjà avoir commencé. C'est comme si rien n'avait changé pour eux. Le cours de la nature ne dévie jamais. Le chaos qu'on affronte doit en faire partie. Sauf qu'eux font la cour alors que nous, on essaye juste de survivre. C'est vrai. Repartons. Après toi. Ah ok, c'était même pas le chemin principal. Un passage, là. Allez, suis-moi. La rivière est là. Mais voilà. Bon sang. C'est encore pire vu d'en haut. Cette odeur est insoutenable. Il faut emmener Hugo loin d'ici. Hé hey, ils sont là-haut. On arrive! Il y a un chemin qui descend! Faites vite! Oui! Il est effrayé! Allons-y! Qu'est-ce que c'est? Non, non, non! Que se passe-t-il? C'est eux! Ils sont déjà là! Encore des rats là? Il y a du soleil là. Je crois. On a eu de la chance. Est-ce que ça va? Oui. Ne t'inquiète pas. Elle va bien, Hugo. Ils vont bien tous les deux. Allez, cours. Mais y a les morts. On sait quoi faire. On arrive. Oh. Bon. C'est un début. On est encerclé. Il y a forcément un moyen. Ces grues. Oui. Si elles peuvent déblayer le passage, ça fonctionne. La paille bouge. Oui, ça pourrait nous permettre de passer. Ne reste pas en place. Ah, merde. Je m'occupe de la grue. Toi, utilise ta fronde. D'accord, j'irai de l'autre côté. Bonne chance. Faut que je passe là ou... Même que je le ramène là. Lucas, un stupéfaction s'il te plaît. Bien sûr. Ah non, merde. Pas beaucoup de temps. Lucas, c'est pour toi. Je ne peux pas m'y rendre. Ah non, mais si, je suis con. Attends. D'abord que je l'enflamme. Hop. Oh putain! Pourquoi il a lâché le truc là? Oh.
suffira pas. Putain. Lucas, à toi de jouer. Je ne peux pas l'atteindre. Ah, je peux pas y aller comme ça si je mets un petit coup de... Ah mais j'ai plus de peau, putain, merde. Il reste encore de la paille à brûler. On peut utiliser... Hein ? Alors des fois les rats ils t'attaquent, tu comprends pas pourquoi, hein, c'est... Ah ouais, alors, c'était éteint ça, mais pourquoi ils ont pas attaqué l'autre du coup là? Oh putain, mais sérieux là. Il doit y avoir un contrepoids. Je m'occupe de la grue, toi utilise ta fronde. D'accord, j'irai de l'autre côté. Bonne chance. Oh, la paille ne suffira pas. Je comprends pas là, je... Putain. Ça fera contrepoids. Le truc là-bas hein. Il reste encore de la paille à brûler. On peut utiliser la grue pour la déplacer. Il reste encore de la paille à brûler. On peut utiliser la grue pour la déplacer. Mais celle-là, ça sert à rien si je l'allume, celle-là, non ? Il reste encore de la paille à brûler. On peut utiliser la grue pour la déplacer.
Ah là 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 là. Lucas, c'est pour toi. Bien. Tu as vu Stroh? Ces bêtises sont capables. Ils ont détruit une ville entière. Et ça recommencera. Si on continue d'y aller. Ah mais attends, mais... Ils sont marrants, mais ouais, je fais quoi après? Je vais où là? J'ai même pas de peau, je vais même pas les. Je peux rien faire avec eux là. Tu entres en scène, Lucas, tout de suite. Ça fonctionne. La paille rouge. Oui, ça pourrait nous permettre de passer. Fabriquer son munition. Ça sert à rien ça, putain. Mais... Lucas, à toi de jouer. Immédiatement. Ça fonctionne. La paille bouge. Oui, ça pourrait nous permettre de passer. Tu as vu Stroh? Ces bandits sont capables. Ils ont détruit une ville entière. Et ça recommencera. Si on continue d'ignorer les émotions d'Hugo. Oh, la paille ne suffira pas. Ah, attends. Si j'éclaire ça maintenant. Maintenant. Stupéfaction est prêt? Oui. Vite avant que la fumée se dissipe. Ah mais putain, mais non! Oh là là, c'est pas ça là! Occupe-toi de ça, Lucas. Bien. Tu entres en scène, Lucas. Tout de suite. J'ai pas de peau, mais je suis dans la merde là, je peux... Putain. Ça fonctionne. La paille bouge. Oui, ça pourrait nous permettre de passer. Tu as vu Stroh? Ces bandits sont capables. Ils ont détruit une ville entière. Et ça recommencera. Si on continue d'ignorer les émotions d'Hugo. Oh, la paille ne suffira pas. Ah parce que il faut aller là, c'est enfin c'est logiquement faut aller ici, mais putain mais j'ai plus de peau. À moins que attends, à moins que. Non.
toi de jouer. Immédiatement. Ça me dit pas que je vais être bloqué parce que j'ai pas de poule. Ça pourrait nous permettre de passer. Tu as vu ce trou? Sont-ils capables? Ils ont détruit une ville entière. Et ça recommencera si on continue d'ignorer les émotions d'Hugo. Oh, la paille ne suffira pas. Y a pas des bâtons là quelque part là. Occupe-toi de ça, Lucas. D'accord. Il y a un truc que j'ai pas compris là. Ça fonctionne. La paille bouge. Oui, ça pourrait nous permettre de passer. Tu as vu ce trou? Ces bandits sont capables. Ils ont détruit une ville entière. Et ça recommencera si on continue d'ignorer les émotions d'Hugo. Oh, la paille ne suffira pas. Et là, faut que j'arrive à passer ici, quoi, mais putain. Je peux pas, j'aurais des pots, oui, mais putain. Oh là 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 là. Ça marche pas, quoi. C'est pas assez puissant. J'ai pas de bâton quoi, j'ai pas de... Putain. Putain, mais allez là. Lucas, c'est pour toi. Bien. Ça fonctionne. La paille bouge. Oui, ça pourrait nous permettre de passer. Tu as vu ce trou? Ces bandits sont capables. Ils ont détruit une ville entière. Et ça recommencera si on continue d'ignorer les émotions d'Hugo. Oh, je tentais de rusher, hein, de passer de force. Bon, ça va pas marcher, hein, mais. Immédiatement. Ça fonctionne.
La paille bouge. Oui, ça pourrait nous permettre de passer. Putain, mais c'est dingue là. Me dis pas que c'est parce que j'ai pas de peau là, putain. Parce que là, je peux rien faire là. Oh, la paille ne suffira pas. Et je peux passer par aucun autre endroit. Hein. Là, ça sert à rien là. Putain. J'ai pas de bâton, j'ai pas de peau. Là, tout ce que j'ai, ça me sert à rien pour écarter des rats au sol. Il y a rien qui marche. Là, si je retourne en arrière, ça sert à rien. Il y a juste un coffre. Franchement, je comprends pas là. Comment je fais pour passer là, je... Putain, ça fait chier ça. J'essaie de retourner là-bas, là. Même si y a rien, c'est sûr. Rien passé, j'ai rien dit, on n'a rien entendu, on n'a rien vu, voilà. Occupe-toi de ça, Lucas. Bien. Alors du coup, on va refaire. Alors comment on fait du coup pour passer? Alors là j'ai compris. Ah peut-être si j'utilise un pot. Ah bah ça tombe bien, j'en ai un. Ça tombe bien, voilà. Ah bah c'est sûrement ça du coup. C'est comme ça qu'on va pouvoir passer. Formidable. C'est
C'est formidable. Elle arrive. Tout ça juste pour atteindre Marseille. Mais tout pouvait s'arranger là-bas. C'est pas le cas. Et Hugo n'y croit plus. Oui. Je peux comprendre pourquoi elle ressent ça. J'y suis. Bloque-la ici. D'accord. J'arrive. Allez, on peut continuer. Amicia ! Oui, on arrive, Hugo ! Il est toujours effrayé. Il faut vite que je le rejoigne. Ta mère est avec lui. Elle est perdue, Lucas. Et il le sait. Bon. Faisons en sorte que tu remontes vite à bord. On va de nouveau utiliser cette grue. Bien. Tu entres en scène, Lucas. Immédiatement. Amicia, tu devrais me dire ce que tu as en tête. À propos de quoi ? De cette île. Je te connais, tu sais. Je te l'ai dit. Tu dois choisir ton camp. C'est fait. Dis-moi quand lâcher. Maintenant, j'y vais. Allez, plus vite. Et frappe le sol, mais j'ai même pas le temps là. Oh, oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça là? Oh putain, ok, on a un genre de fouet fouet enflammé. Tellement pas intéressant là ce qu'on est en train de faire là, putain. Pff. On des manivelles, on allume des trucs avec du feu là. Tiens bon, Lucas. Ah non, attends, je suis allé un peu trop loin là. Ah mais putain, ils font chier avec leur double touche là. Ah mais voilà, putain, c'est trop tard là. Oh là là. Ça sert à rien ce qu'on est en train de faire, mais ça sert à quoi là? Putain. Cette grue déplace ce ballot de paille, ça pourrait être utile. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai! Ça fait trois fois qu'on fait ça, j'ai pas remarqué. Descendre ici. C'est quoi ça? Il y a un coffre en bas.
je te rejoigne. Ça fera l'affaire. Ça, c'est pas là pour rien. Oh merde, merde. Quoi? Attends, mais c'est pourquoi j'ai mis autant de temps à mourir là? Je croyais qu'elle allait dégainer son espèce de fouet là, mais non. Oh, j'ai eu le temps d'aller prendre le coffre quand même. Hein. Ah, il y a un établi ici. J'espère que ça en vaut la peine. Bien, mettons-nous au travail. Alors, qu'est-ce qu'on améliore là? Et améliorer ça. Ça devrait me simplifier un peu la vie. Voilà, alors qu'on soit deux pour ça. Ah mais c'est... Ah mais... Il y a des trucs que je comprends pas avec les rats là. Comment ça se fait qu'il y avait des rats ici là? Comment je peux me faire buter ici? Putain... Ça a sauvegardé le truc là. Ouais. Et du coup, putain, comment on le fait venir l'autre là?
Oh merde. Je reviens jouer encore des rats. Ouais, toujours des rats. C'est un jeu pour les rats, ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment ça se passe le stream Silent Hill? Si quelqu'un peut regarder, ce serait cool. Est-ce qu'ils ont annoncé un nouveau Silent Hill? Un remake? Alors normalement c'est remake du 2 apparemment. Enfin, normalement, il y a trois jeux en fait. Trois jeux Silent Hill. Et le 2 remake, ça vraiment c'est quasiment du sûr. Et il y aurait deux autres jeux Silent Hill apparemment. Attention! Attention! Oh putain, j'ai cru que ça allait faire crasher le jeu. Hein. Je me suis dit, ah putain, ça y est, interface. Ouh là 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 là, putain, c'était un gros freeze ça. Hein. Ok, du coup on peut revenir ici. Ça parle de Silent, mais duquel je sais pas. Mais du coup ils sont en train de montrer un jeu là, du coup là. Si tu vois que le perso c'est un blond. Un blond avec une veste bleue ou verte, je crois. C'est Silent Hill 2, ça, normalement. Non, il montre pas. Ça c'est vachement... C'est Silent Hill ce soir, Resident Evil demain. Ah, j'espère que demain ils vont annoncer les précommandes de RE4 là, ça serait cool. Normalement il y a une démo qui devrait sortir aussi de RE4. Il y aura un nouveau trailer avec du gameplay, tout ça et tout. J'espère qu'ils vont montrer une petite séquence... Ah, j'imagine qu'ils vont montrer une séquence de gameplay et que du coup bah, ça sera la démo qui vont sortir. Je suis désolé les gars, faut que j'aille aux toilettes. Je reviens dans 10 minutes, je pense.
Ok. Bon, je reviens tout de suite. Hop. On va faire ça. Judicieux. C'était plus rapide que prévu finalement. Ok, bon alors, l'autre con là. Comment on te fait venir là, là, putain. Ah, mais si, 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 attends. Si, 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 si. Ah, je sais pas si ça va marcher, mais... ah mais non. Non. Thank you.
Normalement, je peux lui lancer des trucs à lui, là. Mais est-ce que si je fais ça... Ça... Ah, voilà, hop. Oui, beau lancer. Belle réception. Bon, à moi. Seigneur. Tu peux y arriver, continue de courir. Oui, c'est juste des rats. Hein, je connais les rats. Et alors, j'attends quoi? Allez, allez. Yeah. Cours, réfléchis pas. Ne pas réfléchir. Tu cours plutôt vite. Merci. Voilà, donc là on va pouvoir faire ça. Hop. C'est la fin. Non, on a une autre batte de paille. Allez, allez. Ah, on a réussi. Maintenant. J'adore. Voilà. Ton cri de guerre, en fait. Merci. Donc là, on prend ça. Ça m'aide à prendre de l'élan. Je crois. Ça. On est tout proche. Respire. J'essaie. Bien, on y est presque. Espérons que ça se passe mieux à Marseille. Une fois que l'ordre aura mis la main sur lui, ce sera trop tard. Amicia, ils ne peuvent pas tous être comme Vaudin. Je ne suis pas prête à prendre ce risque. Oh. Alors j'ai pas tout traduit. Allons, tu me connais. Je reviens toujours. C'est ce que je lui ai dit. Mais c'est bon de vous voir. Ah, mais en fait, c'est fini le truc Silent Hill là. Ils ont déjà montré le jeu en fait. Il y a toujours une foutue chaîne qui nous bloque. On va s'en occuper. Bon, faut que j'aille voir ça après. J'irai voir ça après. Cette manivelle est reliée à la chaîne. Voyons ce qu'elle fait. Il n'y a rien de notre côté. Non, ça doit être rouillé. Peut-être de l'autre côté. Ce bac pourrait m'y emmener. C'est un chantier pas possible tout ce ponton. Quelque chose doit entraver la chaîne. Comment on va descendre là-dessous? On va trouver. Lucas, tu dois le faire. Naturellement. Naturellement. De l'autre côté, ce bac pourrait m'y emmener. Ah, oh, c'est en pente, ça restera pas en place. Amicia, ce chariot est sur le chemin. Lucas, tu peux t'en charger? Tout de suite. Alors? Tu trouves un passage? Il y a un trou là. Je descends. Sois prudent. Oh, oh, c'est bien. Pardonnez-moi. Oh. Oh, non. Pitié, non. Oh, je suis désolée. Pardonnez-moi. Que je le fasse. Oh.
Je t'envoie le bac. Oui, pitié. Reviens. Oui, j'arrive. Ça devait être horrible. Oui. Vous retournez là-bas ou... J'imagine. Oui. Ah non, en fait, fallait rester là-bas, en fait. J'attends ton signal. C'est bon, arrête. Bien sûr. Désolée, Amicia. J'ai peur. Mais non. Genre là, on peut pas courir et sauter, quoi. N'importe quoi. Tout ira bien à Marseille, Hugo. Je ne veux pas aller voir l'ordre. Magister Vaudin n'était pas un homme gentil, je le sais. Mais cette fois, ce sera différent. Mère, son île. Pas maintenant, Amicia. Très bien. Il faut dégager cette chaîne, d'une façon ou d'une autre. Tu vois quelque chose ? Je cherche ! Il y a forcément quelque chose ici. Ah, il y a un coffre ici. Comment je fais pour récupérer le coffre, là ? Je me moque bien d'être en sécurité. Ce qui m'importe, c'est Hugo, mère. Je sais que vous ne me croyez pas. Ah, attends, si, peut-être. Écoutez-le, au moins. Que je fasse le tour comme ça, voilà. Calme-toi. Concentre-toi. Il y a un établi ici. Ah non, je peux pas aller au coffre là. Ouais. Ah merde. Ah, attends, il y avait un truc en dessous, là, je crois. Ah, si, bah voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Je traverse ça.
Niquer là, voilà, avec ça. Tu es bouleversé. Et tu sais pourquoi. Je peux niquer là-haut. Tu verras ça plus tard. Reste concentré. J'imagine que c'est là qu'on va descendre pour aller sur le bateau. Est-ce que je peux monter sans le chariot là? Non. Oui. Passer l'autre côté. Toujours trop haut. Il me faudrait encore un chariot. C'est tellement pauvre quand même le... Je devrais pouvoir revenir maintenant. Les mécaniques du jeu, quoi. Enfin, c'est... Vraiment, c'est de l'automatique, hein. C'est vraiment, t'es en mode automatique. Voilà. Allons-y. Bien, trouver une île. Comment tu vas faire ça? Heureusement qu'il y a les rats qui rajoutent un petit peu de. Qui rajoutent un petit peu de challenge, tu vois, mais. Parce que sinon, putain, mais imaginez, il n'y avait pas les rats, quoi. Bah alors? Je commence à voir un star. Ah ok. C'est bon, tu peux venir. Oui, bravo, j'arrive. Est-ce que ça va? Oui, mais mon sang n'a fait qu'un tour. Merci d'avoir visé juste. C'était les mêmes hommes que dans l'arène, Amicia. Que s'est-il passé dans l'arène? Qui est cet Arnaud? Ça, c'est un très gros problème pour vous. Faut partir.
Voilà donc la célèbre fille à la fronde. Je vois que tu as de la ressource quand il s'agit de tuer mes hommes. Partons, vite! Vas-y, essaie! Ah merde. Putain, ça me fait grave penser à la séquence dans King Kong sur le radeau là. C'est exactement le même principe. Mais encore même mieux, hein. Encore même mieux dans King Kong. Hein. Vous tapez King Kong PS2 ou 3.6, enfin King Kong le jeu, Raft Sin. Joseph. Joseph est mort. Ne sortez pas. Protégez Hugo. Ah, toi à l'abri. Ils nous tiennent. Je dois dégager le bateau. Arrête. Ils te tueront. Pas si je les tue avant. Ah. Ah bah voilà, on va pouvoir les buter maintenant les mecs avec les... Voilà. Ah bah enfin, merci, une arbalète. Oh là, on va être un... On va être un sniper avec ça là. Ah putain, j'ai plus de flèches. Et on peut récupérer leurs flèches à eux? Même pas. Oh. Sérieux? Putain, dommage. Ah merde, putain!
bateau. N'approchez pas de ma famille. Prise au piège. Ils arrivent. À couvert, vite. Sur la ville. Les autres peuvent attendre. Vous croyez avoir tous les droits, hein? En avant. Elle est seule. Où est votre chef? Où est cet Arnaud? Qu'il vienne m'affronter. Non. Oh putain. Mais non, putain, sérieux. Mais putain! Oh là là! Flèche, mais oh genre mais... Oh, mec, il marche plus vite que le Némésis, quoi. Oh putain. Mais genre, mais putain, lui. Les mecs, ils ont des agros, c'est abusé, quoi. Montez sur ce bateau. N'approchez pas de ma famille. Prise au piège. Attrapez-la. C'est allez, les ralentis là, oh lolo. Vous croyez avoir tous les droits, hein? Tu peux pas esquiver! Tu peux pas esquiver! Putain, pourquoi y'a pas une roulade ou un truc comme ça? Putain! Oh là là! Ou un strafe, je sais pas, un truc là, sérieux! Mais putain, le ralenti, c'est quoi cette merde là? Oh là là! On a compris là, hein, viser avec LT! Je me prends un truc de où là? Montez sur ce bateau. N'approchez pas de ma famille. Prise au piège. Attrapez-la. Arrière. Je vous tuerai tous. Vous croyez avoir tous les droits, hein?
là là là, mais putain, y a l'aide quoi. Je peux pas l'avoir d'ici quoi, mais t'es sérieux là? Putain. C'était le dernier. Maintenant, oui, libérez le bateau. Coupez les cordes. Ah mais au secours quoi. Montez là-haut là? Non. Arnaud, il est où Cyril? Je suis là. Voyons comment tu te bats contre un guerrier en armée. Pourquoi tu es là? Je suis venu pour toi. Oh là là, mais c'est quoi ces phases là? On est sur PS2 ou quoi là? C'est bien les gars, vous savez maîtriser les trucs. Vous savez maîtriser les jeux des années 2000, mais bon, on est en 2022 quand même. Je suis là. Non mais gros, mais c'est... Genre le mec il a une méga armure de dingue et le mec il arrive à rester à notre niveau Y'a aucun souci hein. C'était fait exprès quand même. Oh, alors on joue plus? Tu vas voir, si chaud. Officier, non! Bougez pas ou je vous tue. Il faut l'aider. Une dernière leçon. Si tu dois risquer ta vie, fais un peu mieux que ça. Hugo! Regardez ça. Voilà tes renforts.
Pas mourir, hein? Non. Remontez, on n'a plus beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous attendez? Amicia! Amicia! Qu'est-ce que tu fais? Amicia, pourquoi? J'ai une idée. Si nous prenions la mer, rien que toi et moi, allons trouver ton île. Il a fait un changement de... J'ai pris un coup d'épée dans le crâne. Hop, on change d'avis comme ça. Maman et Lucas. T'en fais pas, Hugo. Je connais peu de gens aussi intelligents. Ça saigne encore? Oui, je crois qu'on ferait mieux de soigner ça avant que ça s'infecte. Il y a de l'eau là-bas. Oui. C'est ton île? Oui. On dirait des dents. C'est l'île aux deux dents. Tu sais, je crois que je l'ai vue. En peinture, au laboratoire de Vaudin. Alors elle existe vraiment? Je vais t'aider. Doucement, hein, d'accord? Oui. C'est bon. Déjà? Parfait. Merci. Tu es douée, tu sais. J'ai essayé de pas te faire mal. Et tu as réussi. Bon, venez, messieurs. Nous allons trouver votre île. Oui. J'ai dit à continuer. Je sais pas si je continue. Bon, quasiment 3 heures. Comment on va sur une île? En bateau. Une fois qu'on sait où elle est. Maman va être fâchée, tu crois? Elle ne va pas être contente, mais ne t'inquiète pas. Tu crois que ces bandits, ils vont les suivre? Non, ils sont en sécurité. Mais ils ont pas d'armes. Ils vont fuir ou se cacher, Hugo. Mais qu'ils te mettent des chemins comme ça, mais non, voilà, mur invisible. On va continuer un petit peu quand même. Oula, attends. Wow, regarde ces belles fleurs. Oui.
Allons, tu adores les fleurs. Mais, et si leur bateau coule ? Hugo... Est-ce qu'ils savent nager ? Tout ira bien. Promis ? Oui. Attends, tu vois cet arbre ? Je suis sûre que je peux l'atteindre avant toi. Maintenant ? Pourquoi ? Parce que tu es une poule mouillée. Même pas vrai. Toi-même. Montre-moi ça alors. 3, 2, 1... Hé ! Toi, t'es qu'un poulet ! Oh ! Oh non ! Ça saigne encore. J'ai gagné ! Ça va passer. C'est pas drôle. Désolée, mais si. Tu t'es fait mal? Non. Oh, regarde. Ça, c'est vraiment une belle plume. Elle est toute douce et toute bleue. Elle a dû tomber du nid qui est dans cet arbre, là-haut, tu vois? Oh, oui! On cherchera d'autres nids, et je suis sûre qu'on trouvera d'autres plumes. Oui! Oh non, on me dit pas qu'il faut trouver des plumes. Un chevalier oiseau! Oh putain, ah ça y est. J'ai trouvé de jolies fleurs quand j'étais avec Lucas. Ah ça y est, ça commence. Les fleurs, les plumes. Je crois que je préfère les plumes maintenant. Ah, d'accord. C'était une belle course. Oui, c'est vrai. Ça te fait encore mal? Non. Ce qui fait mal, c'est que je suis un poulet maintenant. Mais un gentil poulet. Trop aimable. La prochaine fois, je te laisse gagner. Oh non. Sympa la prairie là. Bon, c'est pas du The Witcher 3 quoi, mais... Ça, c'est quoi? Des chants. On dirait une messe. Il y a une église ici. On va voir. Qu'est-ce que c'est? Un marché. Non, on est trop loin d'une ville. Mais les chants viennent de là. Ils savent peut-être où est l'île. Oui. On va demander. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous aider? Bonjour. Oui, nous cherchons notre chemin. Pourquoi ils chantent, les gens? Oh, c'est l'heure de la messe. Nous sommes en pèlerinage, alors nous prions pour arriver à bon port. Oh, vous vous rendez à Rome? Exactement. Et vous? Où allez-vous? Sur une île. On ne sait pas grand-chose à son sujet. Oh, notre meneur, Perreux, connaît bien la région. Il vous aidera. Vous le trouverez près des ruines. C'est lui qui dirige la messe. Mais vous devriez vous reposer à l'ombre. Vous avez l'air blessé. Oui. Merci. Merci. Je vous en prie. Ça, à tous les coups, ça sent l'espèce de secte bizarre, là. Pourquoi est-ce qu'ils vont à Rome? Parce que l'année prochaine, c'est le jubilé. C'est une année très spéciale. Allons trouver ce Perreux. Attention, les enfants! Doucement! Salut, Loi! L'ancien semble tenir le rythme. Oui, ils sont robustes, ceux-là. Oui, leur foi est forte. On va voir le pape à Rome? Peut-être. Si on a de la chance, il y aura des milliers et des milliers de pèlerins. Mes pauvres pieds. J'ai jamais autant marché. Ça sent le ragoût. Toi, un bon ragoût. J'ai faim maintenant. C'est surprenant. Allez, viens. Ils ont un bâtiment Spitfire au-dessus de la Manche. Bonjour. Oh, bonjour. Bonjour.
voilà la messe. Est-ce que c'est Perreux dans le fond? Chut. Oui. Tu pourras le voir quand ce sera fini. Oh, pardon. Nous attendrons ici. Merci. Plus près de toi, Seigneur. Protège ces humbles pèlerins durant leur saint voyage, car ils cherchent le salut au milieu des ténèbres et reçoit les prières des plus faibles. Amen. 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 Vous pouvez y aller. Merci. Amen. Pardon ? Amen ne veut pas dire merci, tu sais. Ah. Allons lui parler. Bonjour. Ah, bonjour. Et bienvenue. Vous êtes nouveau ici? Oui. Et à vrai dire, nous sommes un peu perdus. Et où allez-vous? Pas à Rome, je présume. Non, on essaie de trouver une île. Elle a deux dents et il y a un oiseau et un petit lac. Et des fleurs. C'est probablement une île avec deux grandes montagnes. On nous a dit que vous pourriez nous aider à la trouver. Je n'ai qu'un vague souvenir, mais j'ai une vieille carte de la mer Méditerranée quelque part. Vous voulez jeter un œil? Oui, merci. Ce serait parfait. Bonne journée. Qu'est-ce qui se passe? Nous cherchons un garçon. Il est de retour, lui. La fille a tué plusieurs soldats. Elle est armée et dangereuse. Sur ordre du comte Victor d'Arles, nous allons fouiller ce camp. Je vois la culpabilité dans tes yeux. Mais quoi que tu aies fait, je ne livrerai pas un enfant. Suivez-moi. Il faut vous faire sortir du camp. Suivez-moi. Essayez de passer inaperçu. Qu'est-ce qui se passe? Faites place! Sortez de vos tentes! Ils cherchent quelqu'un. Coopérez et vous aurez rien à craindre. Pitié, ne nous faites pas de mal. Nous n'avons rien fait. Nous sommes de bons chrétiens. De nouveau venus dernière. Attention! Des intrus? Oh, des gens arrivent tous les jours ici, vous savez. Ils vont tout raconter. Non, mais j'espère que vous vous rachèterez. J'essaierai. Nous sommes tous jugés un jour. Doucement, il y en a d'autres. Deux enfants, une fille et un petit garçon. Je ne sais pas. On est tellement nombreux. Alors réfléchis. Hé, hey, faites attention. On passe devant tout le monde, quoi, de dos. Ils sont tous de dos, quoi. Non. On a un problème. Cachez-vous sous la charrette avant d'être vus. Je m'occupe d'eux. Allez, Amicia. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Avez-vous parlé à ce groupe là-bas? Certains nous ont rejoints récemment. Ils ne ressemblent pas vraiment à vos fugitifs, mais qui sait? C'est mieux que rien. Allons voir ça. Vous avez entendu? Soyez sur vos gardes et ouvrez l'œil. Bonne idée. On peut y aller, Amicia. Pas encore. Attends son signal. Hé, hey, vous! Moi? Depuis quand faites-vous partie de cette procession? La voie est libre. Venez, calmement. Allons-y. Vous trouverez un chemin vers la mer de l'autre côté de l'enclos. Nous vous devons beaucoup. Merci. Soyez prudents. Ah merde. Allez, on se dépêche de partir. J'espère qu'ils auront pas de problème. Ah, on a un cheval? Ne nous trouve pas. Personne n'aura de problème. Partons loin d'ici. On a pas de cheval? Ah merde. Ça va l'air un peu trop facile quand même. Ah putain ouais, ils avaient montré ça aussi il me semble. Ils avaient montré cette phase dans une vidéo, je crois. On doit partir. Oui.
Oui. Il faut... qu'on avance. Où on est? On dirait... une carrière. On va là-dedans. Il fait tout noir. Pas mal, hein. Je ne sais pas s'il y a un autre chemin. Les gars, on trouve... Vite. Allons à l'intérieur. On ne doit pas... rester à découvert. Ah, les proportions, elles sont pas mal faites, là. Pas améliorer là. En ajoutant. Ah non, je peux pas améliorer encore, putain. Il y a quelque chose là-bas. Ah oui. On va y arriver. Maintenant, on sait où est la mer. Je m'en fiche. Je veux juste que tu ailles bien. Oui. Je vais faire en sorte. Il y a un coffre là-haut. Je sais pas. Je peux pas y aller là-haut. Tu as vraiment tué des soldats ? Oui. On se voit, c'est... J'ai perdu la tête. Pour y aller de l'autre côté. Ta tête. Je sais, mais on ne peut pas s'arrêter là. Ne t'inquiète pas pour moi. Amicia, attends. Il y a des gens. Je n'entends rien. Comment tu le sais? Je les sens. Je pense que c'est les rats. Je peux essayer de me concentrer. T'es sûr de toi? Oui, ne t'en fais pas. D'accord, sois prudent. Oui, je les vois. Ils sont là. Allez, la vision d'aigle maintenant. Attends, comment? Les rats, ils sentent le sang des gens. Moi aussi maintenant. C'est comme un bruit ou un écho. Alors ils sont où? Pas loin, ils approchent. Je peux le refaire si tu veux. D'accord, allons-y. Ils sont piégés ici. Ils ne peuvent plus fuir. Où sont les mineurs? Bah, forcément. Forcément. C'est le capitaine que tu devrais craindre. Cette gamine la plus énervée que 1000 Anglais réunis. Ah, faut quand même maintenir un gros coup quand même hein, pour. Une porte, là-haut. Ah merde, 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 merde. Non. Ça venait de là. Non, non, non. Non, c'était rien. Hein? Inutile de vous cacher. Je sais où vous êtes. Hein? Non. Oh putain. Là, on oublie. Oh là là, si je m'en sors là. Oh lo 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 lo. Non, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Hop. N'utilise pas les femmes ou les enfants. Ils sont là aussi. Comment on va sortir de là? Elle est possédée. Là, approche. Là. Ah merde. Oh non. Merde, 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 merde. Repérer.
que j'ai pris ce qu'il y avait dans le coffre? Ah putain, mais j'appuie sur X là. Oh. Mais non, mais non. Cette fille, elle a tué des soldats aguerris. Qui c'est? Les chiens fiers de la muraille? La muraille n'utilise pas. Oh là là, putain, c'est face de l'enfer, quoi, mais c'est. Qui a fait ça? Je sais même pas s'il me reste un couteau là. On est d'accord qu'il a un casque lui, hein. Casque. Putain, je sais même pas, est-ce que j'ai un couteau? Alors c'est là que vous vous cachez. Oh non. Tu m'entends, toi, là-bas? Hé. Il est mort. J'aurai le salaud qui t'a fait ça. Putain.
puis on trace, hein, on s'en fout. Hein. Hop. C'est un. On va se prendre la tête. Hop. Non. Amicia. Laisse-moi. On devrait attendre, Amicia. Non, il nous trouverait. On doit attendre ce bâtiment. C'est une église? Je sais pas, mais on est trop visible. Allons à l'intérieur. C'est peut-être plus sûr. Par ici. Fouillez partout. Trouvez la sorcière. Ils abandonnent jamais. Oh, ce sont des poussins. Tu en as tué beaucoup dans la ville rouge. Plus que j'aurais dû. Ah. Étrange. Étrange. Le comte d'Arles veut débarrasser ses terres de la vermine. Cette fille a tué nos frères. Elle sera exécutée ici. Et il est où notre comte, hein? Ses terres sont arrachées par la presse. C'est lui qui donne les ordres. Un peu de respect. Ah, le camion, quoi. On va y arriver. Oui, et tu te reposeras. Non, 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 non. Putain. À mon avis, ça va pas trop. Ça, on va avoir du mal à. Remonte par ici. Ne les laissez pas s'échapper. Ils nous ont vus. Oh là là, putain. Ah mais ouais. Tout est fermé, quoi. Ils sont sympas. Dégage. Ils sont trop nombreux.
Faut que je dirais que lui, il dégage. Oh putain, mais c'est pas vrai. Oh là là, il y a toujours un ennemi qui casse les couilles, quoi. Mais c'est dingue, ça. Mais c'est un truc de ouf, ça, putain. Tu peux pas te cacher. C'est un truc de fou. T'as toujours un ennemi qui vient te faire chier, là, qui regarde dans ta direction, quoi. J'ai avancé d'un coup. Voilà, des repérés direct. C'était caché. Fais attention, tu es très fatigué. T'en fais pas. Comment il me voit là? Le mec, il est de dos, il arrive à me voir, quoi. C'est pas de souci. Je peux l'avoir, lui. Mais putain, mais... Oh, oh là 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 là, mais y'a quoi qui... Il m'a vu comment, là? Attends, y a que mes... Attends, mais... Le mec, il a vu le haut de mes cheveux, c'est bon, direct, quoi, putain. Ici. Ah, peut-être que je pouvais pas rentrer parce que casse les couilles des mecs avec les casques là. À tous les coups, il va se retourner. C'est fermé parce qu'il y avait les ennemis ou là je peux rentrer là du coup. Ah voilà. Thank you.
va aller. On sera bientôt à la mer. Oui, bientôt. J'ai pas de poignard là. Contrôler les rats. Bon, c'est ça va être teasé ça dans un trailer. Des rats. J'entends des rats. Ne t'inquiète pas, ils nous ont aidés. Quoi ? Des rats. Je vois ça. Des rats. Oui. Je sais pas c'est quoi ici. Ils sont en train de dévorer nos hommes. Attention. Des soldats. Je m'en occupe. Comment ? Tu vas voir. Ok. Attends, qu'est-ce qui se passe ? Oui, tu peux te lever. Alors, ce qui serait fou, c'est que le boss final, ça soit Hugo qui se transforme en rat géant. Allez, on s'en va. Tu les as vraiment ? Il se transforme en rat géant et on doit le tuer avec des pièges à rat géant. Attends, ah oui. Toujours dans ma tête. Ça, tu les as contrôlés comme avant. C'est différent. Cette fois, j'étais dans leur tête. Attention, ils ne doivent pas prendre le dessus. La macula veut te submerger, se nourrir de tes émotions. Tu dois faire très attention. D'accord.
Relaxons-nous. Oui. Est-ce que je peux améliorer quelque chose là? Oui. Ajoute des étuis à sa ceinture, hein, de porter des couteaux. Ouais. Mais leur munition chimique lui provient de tuer des ennemis en soi une jarre associée. Ah, pas mal ça. En posant un métal plus sous son arbalète, mais ça recharge beaucoup plus vite. Ah bah ouais, ça, direct. Là, ça met 15 000 ans à recharger l'arbalète. J'ai sale. On pourrait le changer. Ah vas-y, je t'en prie. On pourrait utiliser cela. Ils sont propres. D'accord. Ça va te faire du bien. J'espère. Lequel tu veux? Je ne sais pas. Celui-là. Ne bouge pas. Pardon. C'est fini. Merci. C'est mieux, j'espère. Ah, c'était un truc annexe. Oh Seigneur, regarde la taille de cet endroit. Comment on va? On va y arriver. Ne meurs pas. Pas encore. Il y a des rats cachés dans les cuves. Peut-être que tu pourrais les faire sortir. Pire si on tue pas la fille. Les soldats, les rats, attention, je te protégerai. Ah bah arrête là, tu m'as pas vu là. Qu'est-ce qu'il y a? Hé! On a un soldat mort. Faut trouver qui a fait ça. Comme ça, je sais où vous êtes. Inutile de fuir. Ils arrivent! Ah putain! C'est passé, putain. Je peux pas contrôler là. Et ça passe comme ça quoi. J'arrive pas à croire qu'on l'a fait. Te voilà enfin. Putain. Boss fight. Je suis le bras armé de la loi, et
Mais putain, mais... Oh là là, putain, je suis bloqué par quoi, là? Putain, je pouvais le poignarder. Mais pourquoi je suis bloqué? Mais je suis bloqué par quoi? Mais c'est quoi qui m'a bloqué là? Te voilà enfin. J'étais bloqué par quoi là? C'est quoi qui m'a bloqué là? Oui, je le vois.
Putain, il est où son point faible? Oh putain, mais nique ta mère. Oh là là, les combats quoi, mais putain c'est... C'est vraiment des combats, mais t'as l'impression que t'es sur PS2 quoi, mais c'est... Ah mais putain, mais... Genre ça lui fait rien quoi, mais... Il y a des murs invisibles, il y a des murs invisibles dans l'arène. C'est pas possible. Enfin, je vois pas d'autres explications là. Je suis bloqué des fois dans le vide, je suis bloqué par rien. Il y a rien qui me bloque. Là. Ça va. Ça va. On continue. Oh là là. Ah bah là, j'ai pas le contrôle là. Je
sortir de là. Je vais recommencer. Je vais y arriver. C'est brutal comme, comme votre chapitre là. T'es réveillé. Il t'a sauvé. Il dit qu'il nous amènera sur l'île. Il sait où elle est. Elle s'appelle Lacuna. Attends. Et il trouvera un bateau. Quoi? Non. Amicia. Attends, mais c'est Arnaud là. Et chez nous, on avait un chien, mais je le voyais pas beaucoup. Parce que tu pouvais pas sortir. Oui. Alors j'imaginais qu'on jouait ensemble. Ah, je vois. On y est. Où est le bateau? Où il est? J'espère qu'il est grand. Plus très loin. Je libère nos chevaux. Pour la fin, on va prendre un chemin plus sûr à pied. Des mouettes! Je voudrais vérifier. Je peux? Ça fait 2 jours, là. Bon. T'es raccommodé. Plus ou moins. Laisse ta blessure à l'air libre. Ça fera un peu mal de temps en temps. Respire et détends-toi. Il faut te dire que ta voix n'aide pas. Arrête de jouer les durs. Ça te réussit pas trop. Très bien. Alors dis-moi pourquoi tu es revenu. Pourquoi tu ne m'as pas laissé mourir? Dis-moi pourquoi je te ferai confiance. Pourquoi je ne devrais pas laisser les rats me débarrasser de toi une fois pour toutes? Le comte a lancé son armée contre nous. La racaille de Provence. Beaucoup de mes hommes, mes amis, ont été tués. Où ont filé. Tôt ou tard, ils finiront par m'avoir aussi. Alors tu veux fuir? Oui. Les taux se resserrent, mais vous avez peut-être la solution. Les rats. Le moyen le plus sûr d'échapper à la meute qui me court après. Je sais où trouver votre île. Tout ce que tu dois faire, c'est me garder en vie, jusqu'à ce qu'on y soit. J'arrive. Bon, on verra ça. Fais très attention. Ceci me rappelle à chaque instant que je ferais mieux de te tuer. Alors, okay. Qu'est-ce que tu as trouvé? Tu sens cette odeur? Chapitre eh bien, je 7. Sens les chevaux et... Oh Seigneur, c'est moi ça. On va s'arrêter là, je crois. Ça ira bien pour ce soir. Attends, il faut qu'on parle. Ok, non, franchement, là, le combat de boss, putain, c'était tellement de la merde. Quoi. Mais c'est. T'as l'impression que t'es sur un jeu PS2 de 2003, quoi. C'est... Et puis la fin, j'ai pas compris, là, comment je l'ai buté, là. Comment je l'ai buté, en fait, fallait. Fallait lui faire péter le feu dessus.
En fait, non, fallait lui faire péter le feu. Et pendant que le feu est en train de brûler et qu'il est dessus, fallait lui enlever sa protection. Là. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir déjà fait ça dans les autres trails, mais je comprends pas. Mais franchement, c'était vraiment pourri, quoi, le combat. Là. Puis même les combats en général, putain. Oh là 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 là. Puis l'infiltration, j'en parle même pas. C'est tu peux pas, en fait. Il y a pas d'infiltration. Il y a un semblant d'un... Je sais pas. Pour moi, l'infiltration, ça marche pas du tout. C'est vraiment... Et c'est pas que les combats, c'est vraiment tout le gameplay, les mécaniques. C'est trop... C'est trop archaïque. Après, c'est pas injouable, quoi. Mais putain, c'est trop archaïque. C'est un jeu du passé, quoi. C'est vraiment un jeu du passé. Tain, heureusement qu'il y a la DA, l'ambiance et tout, quoi. Parce que sinon, Oh là 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 là. Après, oui, les gens ils vont te dire à chaque fois, ouais, mais bon, c'est pas un gros budget. C'est un double A. C'est limite entre un jeu indépendant et un gros jeu. Non, ouais, mais les gars, c'est quand même la suite. Le premier est sorti il y a 3 ans. Je pense qu'ils ont eu quand même beaucoup plus de budget que le premier. Quand même, quoi, tu vois, enfin, en fait, j'ai l'impression que le jeu il est pareil que le premier, quoi, tu vois, genre, enfin, c'est les mecs, ils ont pas évolué dans sur ces points là, quoi. Ils t'ont fait juste un jeu plus long, voilà, un jeu plus long, j'ai l'impression, et ils t'ont rajouté 2-3 petits gadgets. Venez, on n'est pas là pour admirer la vue. Dis-moi d'abord où nous allons. Puis c'est pareil, l'histoire, ça suit, quoi, mais je suis pas, enfin, ça me transporte pas, quoi, tu vois. Oui, faudra t'y faire, c'est ta vie à présent, alors si tu veux aller à Lacuna après ton coup d'éclat, soit tu prends le bateau... Je suis pas hyper emballé encore par l'histoire, alors que ça fait quasiment 8 heures qu'on joue, quoi. Ah, tu l'entends ? Ça, c'est une bonne attitude. Là, je pense qu'on doit être, quand même... Ouais. Il me semble que c'était 15-16 heures apparemment, il disait, pour la durée de vie. Donc on est, je pense, à la moitié, ou un peu plus de la moitié. Mais putain... Après voilà, à voir s'il y a un gros twist à la fin, un truc qui décolle vraiment, mais pour l'instant, bon... C'est pas super super intéressant, quoi. Voilà. Bon, on va se laisser là pour ce soir. On continuera demain sûrement, pareil, hein, 21h, on va faire pareil, 3h30, 4h, ça ira bien. Écoutez, merci d'avoir suivi le stream ce soir, merci pour les dons, ça fait plaisir. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée, et on se dit à la prochaine. Allez, salut tout le monde, en plus ça vient de s'éteindre derrière moi. Voilà, allez, salut.